J'ai passé ma vie d'homme mûr à penser à autre chose qu'à la mort 5 à 6 minutes par jour. Le reste du temps, je ne pensais qu'à la mort. Et quand elle approche, on commence à s'en foutre. L'image, hein, l'image, le désir d'être sur l'image est phénoménal. Mais c'est vrai que le mystère de ces sexes différents, cette attraction extraordinaire. D'ailleurs, un de mes amis scientifiques m'a appris récemment, et ça explique bien des comportements, que le désir qu'on a de l'autre ne passe jamais dans le cerveau par le même, appelons ça un canal, parce que nous sommes béotiens, par le même canal que celui où il y a la réflexion. Donc, vous entrez en désir sans pouvoir vous contrôler. Je pourrais m'asseoir de temps en temps. Je pourrais me lever de temps en temps. Ce qui serait pas mal. Et puis, le goût du partage. Le goût du partage. J'apporte du bonheur aux gens et il y a un partage dans la vie. Je me sens exister vraiment depuis cette popularité. Mon ami Belmondo m'avait dit un jour, sans le public, serions-nous. Transmission, oui, c'est ça. Et oh, cette envie tellement profonde de ne pas avoir servi à rien. Quel deuil. On est un peu artiste aussi, les acteurs. On est peintre, on se peint soi-même en veston. Et en montant l'escalier, je répète ma scène avec cette jeune femme et je lui dis, en faisant le mouvement de la brasse coulée, vous prendrez bien quelques écrevisses à la nage.